menace. Sous-gorge, menace droite. Ok, à quoi ça me fait penser, cette façon de menacer? Saisie de colle. Saisie de colle ou menace avec une arme à feu par-dessous. Ok? La seule différence, c'est que j'ai quelque chose dans la main. Mais sinon, au niveau de l'angle, de menace, c'est le même. Ok? Donc, on va faire un minimum de défense. On va reproduire le même mouvement. On ne va pas inventer 50 mouvements pour un même angle. La seule différence, la seule chose qu'on va prendre en compte en plus, c'est qu'il y a une arme. Quand il y a une saisie de colle, quand c'est une saisie de colle, j'attrape, je tape, je viens travailler ici ou peu importe où je suis. Mais je ne me méfie pas de ça. Dès qu'il y a une arme, on va travailler sur le même principe, sauf qu'on sait qu'il y a une arme. Donc je vais devoir l'écarter dans un premier temps et surtout bien la contrôler. Okay, donc le principe est le même, j'ai les mains à hauteur d'arme, une menace. Oh ok. Travaille. Casse ici, je peux venir serrer ici. Ok, ou tout simplement pour les fans, le désarmement, ici, et on amène aussi. Ok, encore une fois, on est ici, dès qu'il menace moi en termes d'arme, ok, je vais venir non pas plaquer, mais écarter, et le fait de bouger mon corps, ça écarte déjà l'arme, donc c'est pas juste ça, on pivote, comme d'habitude, le haut du corps bouge, le corps entier bouge. Je suis ici, ok, soit j'ai bien maîtrisé ici, taper, ça c'est conseillé si j'ai un gros gabarit ou si je suis une femme pour être sûr de verrouiller le bras, ok, après je peux venir ici, amener au sol et verrouiller, sinon, quand pareil, 1, 2, parti, ok, je vais venir attraper, bien plier vers le sol pour travailler sur le poignet, fais ça va-t-il, et j'ai tout de suite ici, je peux casser l'épaule immédiatement ici. On est bon ?